Re les gars, j'espère que vous allez toujours très bien. Épisode 16 de Ion Life et épisode normalement final. Les gars, on se casse de là. Donc apparemment, nous sommes retournés sur Terre. Ah oui! Le mec s'est installé quoi. Oh là là, cette arme! Ah oui! Bah elle est violente cette arme! Attendez, j'ai plus de balles. Oh putain, c'est tendu du cul. J'ai l'impression de faire de la merde. Viens là, ton pote. C'est tellement stylé la glissade. Il m'emmerde lui. J'ai toujours le bug avec la main. Ça on va le garder en cas de coup dur. En tout cas, il a bien bousillé la ville, le mec. Mais qui s'est installé. Il rigole pas, hein. Les aliens sont sur Terre. Oh mais cette arme les gars. Ah c'est le feu. Quand il dit les c'est qu'il est bon. C'est ça. Parfait ça. Oh mais avec cette arme là mon gars il va rien m'arriver. Ok, il y a un truc au-dessus. C'est là-bas qu'il faut qu'on aille. Dans son royaume. Oh, let's go through the tube. Bah pareil, j'aime bien cette séquence là. Aïe, c'est pas grave. La guerre est totale.
the whole game. You know, you remember me. You're quite dumb, you fucking asshole. I'm here just to say one last thing. Let's do it! Looks like it's the final mission. You're doing good. It's scary. I'm so proud of you. I watched you grow from just a weak-looking kid. Je suis amoureux de cette arme. Allez, il y a tout qui dégage. Le petit succès qui va bien. Regardez, lui, il est bugué. Bah alors. Il est mort le gros, au moins, là. Il est pas mort encore. Ça reste tendu quand même. Il me faut des soins parce que là, ça va plus là. Voilà, il y a tout qui dégage. Wow, c'est tendu. Voilà. Je suis full concentré, les mecs. Hop, en plein vol. C'est beau ça. Ça les mecs, je gère bien là. Parfait. Merci Lizzie, ça va bien se passer. Okay, how's everyone feeling? We're almost there. There's no time for feelings. Let's just focus on killing Comanchus. Yeah, not the time for chit-chat. Par contre, je pense que le boss va être dur. Oh, come on, you're not still mad at you? Look, it's complicated. I'm kind of mad still, yeah. Yes, it's complicated. We all love you, Kenny. It's complicated. Like I said the first time, it's complicated. We had that powerful shared drug experience together, and we learned so much about ourselves and working together. Look, and Kenny, we there's a lot of shit to work through here. We're not gonna solve it in one drug trip. Maybe we did, though. You know we're here with you, Kenny. You're practically family, and we mostly only have each other. But it's not that easy. Yeah, so let's just kill Garmantuous and see where things go from there. We'll completely forgive you after we kill Garmantuous, Kenny. Creature, that's not true. But if not, not true. Okay, I get it. Let's just do this. Let's do it! And I'm here too! Knifey, your friend! Remember me? Alors, qu'est-ce qu'on a ici, là? Ah... Let's do it. Lui, laisse tomber, toi. D'accord. Let's
creature's right. We can! We can do this! I hope so. I just don't... I don't want to let everybody down again. Allez, mon petit. En fait, il se suicide, quoi. Putain, la terre est dévastée. Hein. Mais c'est stylé, hein. Encore une fois, hein. La DA est stylée. Hein. Ouh, les gars. C'est l'heure. Allez, bouffe. C'est tendu. C'est tendu. Wow, calme-toi. Dans la gueule, je me trompe de touche. Je prends tellement cher, les gars. Des soins. Casse les couilles. Putain, heureusement que j'ai sauté. Est-ce qu'il y a des soins? Il y a des soins là-bas. Pff, comment j'ai fait pour esquiver ça? Bon, ça par contre, ça c'est quasiment inesquivable. Allez, meurs, fumier, meurs! Putain, on l'a eu, je crois. Oh, la bombe. Okay, that should be good. Now pull out and let's blow this fucker up. It's time for the G3 to become the G0. Suck my ass.
Okay, what's wrong? Is it broken? God damn it, Gene, the remote's busted? Oh, shit! Oh, hello. You're fucking done. Now it's time to make you really suffer. Let's make a deal. If you give up and turn yourself over to me, then I won't harm the two people you love most in this world. Fuck, he's got your parents. Behold! Hey, it's me, Jack Black. Hi, I'm Susan Sarandon. Do we know you? Huh? Are those your parents? Parents? What the fuck are you talking about? I don't think the bounty hunter even knows these people. Yeah, we don't. But it's so nice to meet you. So what? T'es leur en laver le cerveau, quoi. Because every human I asked said they loved him. Well, yeah, everyone loves us. I'm sorry, Bounty Hunter. I'm sure your parents are still out there somewhere, you know? They're alive. I can feel it. Okay, Bounty Hunter. What? You're not fucking around. Il a buté mes parents. Careful, Bounty Hunter. Better not slip on my anal lizard. D'accord, ok. Une attaque comme ça, ok. C'est exactement les mêmes attaques que les frères, je sais plus quoi là. Ah putain, pour montrer, je prends tarif. Je fais de la merde. Et what? Il casse les couilles, cette limace. Oh mais ouais, mais comment tu veux esquiver cette merde? Ah, la deuxième phase apparaît plus simple au final. Merde, j'aurais dû faire un petit dash vers l'avant, je suis con. Ah non, pas cette attaque. Putain, il l'a pas fait ça tout à l'heure. Ah mais je... J'ai mal au dos à force d'appuyer. Ça, qu'est-ce que tu... T'es obligé de t'en prendre dans la gueule. Ah putain. Faut des soins. Ah, j'ai raté, chier. J'ai encore raté, non. T'es mort, t'as plus de vie là, mon pote. Parfait. Yeah, what's the plan here? Just keep shooting and hope for a miracle? I have an idea. Oh, fantastic! The bomb might still be functional. I know a way to detonate it. I knew you'd figure it out, Kenny. I'll go inside of his asshole, and I'll detonate it manually. Oh, that's not good, Kenny. That would mean. Yeah, I know. Kenny, we're not letting you do that. Okay? Tu... There's gotta be another way. Can you think of anything? Actually, no. I can't. I guess this is the only way. You're gonna blow both yourselves up? Jimmy, you might die. I know. Hey, Bounty Hunter. Fighting alongside you has been... Well, it's been the best thing that's ever happened to me. Thank you for giving me the adventure of a lifetime.
Now shove me deep inside that monster slug's dirty asshole. Kenny! I want to do this. I need to do this. Okay. Okay. Well, I guess this is goodbye. You're the best bounty hunter I've ever. Mais non, il va se tuer, Kenny. And you're an even better friend. Je l'aimais bien, c'est con. See you later, pal. I'll always be with you, and I love you. Ça recule tout seul. Oh, shit is done. Commandos is dead. He's fucking dead. Rest in peace, fucker. Good work, bounty hunter. What about? There's no way they could have survived that. What a noble sacrifice. Bon, bah Kenny est mort. I can't believe it. No fucking way. Oh my god, they survived. They made it. I'm alive. Is Garmantuous dead? Re les gars, désolé, j'ai voulu faire un truc sur mon PC. En fait, j'ai voulu prendre la télécommande et mon doigt a ripé sur le pavé tactile du PC et ça a cliqué sur le stop de l'enregistrement de la vidéo. Donc je suis désolé, donc on reprend, donc Kenny n'est pas mort. Voilà. Par contre, il est devenu noir. Bon, bref. Bon. Écoutez, ce boss de fin, je vais pas vous mentir, je le trouvais moyen. Ça se finit comme ça ? D'accord. Bon bah écoutez, de toute façon je vais vous faire une vidéo test du jeu là directement tout frais. Mais ouais franchement c'est ça a été un bon jeu après. Attendez. Ça a été un bon jeu mais de toute façon ça on y reviendra pour la vidéo test. Le test final et après voilà. Mais du coup ouais le jeu est cool. La direction artistique est cool. Le gameplay est cool, il est bon. Mais par contre, il y a plein de trucs qui sont pas intuitifs. J'en ai parlé dernièrement, mais le fait de changer d'arme, c'est compliqué parce que faut bourriner les flèches directionnelles gauche ou droite pour changer d'arme. Et c'est un petit peu galère parce que au final, à la fin du jeu, tu finis avec Kenny, Lizzie, le truc là qui tire les larbins, là les boules bleues. L'espèce de pompe aspirateur. Merde. L'espèce d'arme qu'on a à la fin là. Lose do it, un truc comme ça. Et je sais plus qui. Donc on a 6 armes, je crois, 5 ou 6 armes. Et pendant les combats, pour changer d'arme quand t'es entouré d'ennemis, c'est galère. Ça aurait été préférable d'avoir une petite roulotte, comme je l'ai déjà expliqué, qui te met le jeu en bullet time. Tu vois, ça te le met pas en pause directement, mais un petit bullet time qui te permet comme ça de changer ton arme directement. C'est... Enfin bref, mais hormis ça, le jeu est cool. Le scénario, bon après, c'est t'aimes ou t'aimes pas, c'est vraiment hyper con. Bon, dans l'ensemble, j'ai bien kiffé, même si parfois ça parle un peu pour rien. Et voilà, bref, on y reviendra. J'ai fait B pour voir ce que ça fait. Voir si c'est une cinématique cachée ou pas. Et on retourne ici. Très bien. Bon, et si je fais continuer la partie? Ça m'emmène où? C'est juste par curiosité. Et puis après, on s'arrête là, les gars. Holy shit, kid! You really did it! Garmantuous is dead! Well, just so you know, everything's kind of... Just gonna be the same for a bit. News takes a while to travel. There's still gonna be G3 guys to fight everywhere. But, good job! Seriously. Ok, donc du coup, attendez. Est-ce que je peux récupérer ma prime? I still can't believe you really pulled it off. Putain, mais encore un carré, c'est quoi? C'est un boss secret, ça? You get it, right? It was a real long shot. Du coup, on peut quand même voyager un peu partout. Bref, et bah les gars, du coup, on va s'arrêter là pour ce let's play de Ion Life. J'espère qu'il vous aura plu. Le jeu était cool. Ça fait un autre jeu de plus au tableau de chasse. Du coup, les gars, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut tout le monde.